tout un cycle de conférences avec Transculture, qui nous permet d'avoir Jacques Danguy avec nous aujourd'hui, sur ce que permet à la littérature l'utilisation des technologies numériques et des technologies diverses de diffusion et de mixage et rediffusion de travail de la voix. Et donc, voilà, il y a eu tout un programme, il y avait plusieurs, j'en vois pas ici, mais enfin, il y a dans cette maison plusieurs dépliants qui vous permettent de savoir tout ce qui était au programme, puisque finalement, c'est en trois semaines et en trois lieux que les choses se déroulent. Il y a ici la Vitokiana, il y a les musées royaux des Beaux-Arts, et plus précisément le musée Magritte, où il y a par exemple demain des visites guidées sur le thème spécifique de la lumière. Et puis, il y a aussi, puisque c'est transdisciplinaire, il y a aussi une des sciences appliquées qui est particulièrement concernée par la lumière, et vous en êtes tous bien conscients parce que ça nous concerne tous, il y a par exemple l'architecture. Et vous savez que les architectes de nos jours, ils sont amenés à faire des événements lumière-couleur. Et donc, demain soir, à 20h30, à la faculté Loki, la faculté d'architecture de Saint-Gilles, qui dépend du CL, eh bien, il y aura un événement lumière, couleur, organisé par les étudiants, parce que tous les projets UNESCO impliquent toujours un format formateur éducatif. Un événement lumière, couleur, mais qui est aussi mêlé à une performance vocale, c'est la performance du chœur Melting Vox, que vous connaissez peut-être, qui est un répertoire exclusivement contemporain. Et évidemment, avec une mise en voix de textes, ce seront des textes que j'ai sélectionnés personnellement, je suis professeure de littérature à l'UCL, sur le thème de la lumière, et qui seront mis donc en voix par Malkiel Golon, qui est un comédien qui est particulièrement percutant. Voilà. Et donc, il y a aussi une rencontre à 15h. J'allais dire, voilà, ici même, demain, à 16h, 15h, on va rencontrer Simon Dumas, parce que ici, nous sommes en présence, ici en dessous, l'étage en dessous, d'une création littéraire, sonore, technologique, je ne sais plus comment le dire, parce qu'à chaque fois que je dis un mot, Simon me dit que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, mais... c'est une installation vidéo. Voilà. Avec des technologies contemporaines qui s'appelle Chœur, parce que là aussi, il s'agit d'entendre plusieurs poètes, d'entendre des voix, mais aussi de les voir virtuellement en présence un, et donc d'actionner justement leur chœur, puisque le principe, c'est que nous-mêmes, nous pouvons, dans cette installation qui réunit 9 poètes et belges, francophones et québécois. Et les artistes. Voilà. Puisque c'est aussi une production québécoise grâce aux productions Rhizome que dirige Simon Dumas, mais en collaboration avec Transculture que dirige Philippe Franck. Et bien donc nous pouvons, nous, en nous promenant dans cette installation, activer les voix des uns et des autres. Et c'est absolument remarquable, je dois dire que c'est une expérience assez extraordinaire, et vous pouvez rester 2h30 dans l'installation et vous n'entendrez pas deux fois le même texte. Donc c'est quand même assez... on est très très heureux d'avoir pu faire venir cette installation ici. Donc ça c'est pour demain, on s'entretient demain à 15h avec le créateur, Simon Dumas, qui est lui-même poète et qui est d'ailleurs parmi les poètes qu'on entend dans cette installation aussi. Voilà. Voilà. Et donc ce soir, on va entendre Jacques Danguy dans le cadre d'un cycle de conférences qui sont liées aux créations sonores et aux créations numériques. Et donc Jacques Danguy, comment le présenter ? J'ai été voir vraiment ce qu'on disait sur vous et c'était très long. Hein. Donc je vais faire court pour le public. Mais je tiens quand même à dire, parce que je pense que c'est vraiment une fierté de pouvoir l'avoir, c'est le pionnier de la poésie numérique pour le monde français. Donc on vous remercie, parce que les pionniers prennent des risques, et donc vous les avez pris pour nous, et on en est ravis. Et donc, je dis pionnier, pourquoi ? Parce que la première fois qu'on en parle en France, c'est en 1983-84, directement, avec un témoignage, par exemple, dans la revue Intervention au Québec et dans la revue Libération, dans Libération en France. Donc, directement, voilà, là aussi, deux continents qui se sentent interpellés par ce nouveau type de création. Alors, le thème même, poésie numérique, c'est une invention à vous.
C'est vous qui avez lancé cette idée, parce que vous la pratiquiez avant de la théoriser, mais vous l'avez aussi théorisée mieux qu'aucun autre. Je vais d'abord par des chroniques que vous avez tenues pendant très longtemps, entre 1999, on peut le dire ici, on est en Belgique, et 2012, dans la revue CCP, et puis dans la revue Art Press aussi. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Poésie expérimentale, zone numérique, c'est un livre qui date de 2007, c'était aux Presses du Réel. Mais beaucoup plus récemment, alors, il y a, comment faut-il dire, PD Extended, c'est comme ça que vous dites? PD Extended. PD, c'est pure data. PD Extended, PD, voilà, One, poésie numérique en pure data, voilà, pour le dire en français. Ça, c'est un livre qui reprend toutes les publications de Jacques Donguy depuis 1984 jusqu'à 2015. Et c'est un livre qui est paru en 2017. Et puis, il y a aussi, tout récemment, alors, cette année, hein, ouais, un autre livre voilà, qu'on vous présente là, qui est Chronique de poésie numérique. Je dois encore ajouter que non seulement vous êtes poète et vous êtes théoricien des poésies numériques, mais vous les traduisez aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est toujours difficile de traduire de la poésie. Mais alors, la traduire quand elle est numérique, eh bien, chapeau bas, parce que c'est vraiment... là aussi, vous prenez des risques. Et donc, que, entre autres, vous êtes le traducteur du concrétiste brésilien Augusto do Campos. Voilà, la preuve, vous avez là, devant vous. Voilà. Il y a une émission sur Arte qui a été... pas trop longtemps, c'était en octobre 18, consacrée à ce type de poésie. Et je voudrais aussi signaler que non seulement vous faites tout ce que je viens de dire, mais qu'en plus vous êtes commissaire d'exposition, puisque vous avez organisé une exposition à Paris en décembre 18 et jusqu'à janvier 19 sur la poésie numérique. Donc voilà, on a ici, nous en sommes tous convaincus, vraiment le spécialiste de cette question. Et donc on est vraiment heureux de vous entendre. D'accord. Merci. J'ai préparé quand même un... Je rédige, malgré tout. Bon, je rédige classiquement. Alors, oui, c'était l'invitation de Philippe Franck, que je remercie aussi, et la bibliothèque, que je remercie. Poésie numérique performée. Alors, petite introduction, parce que c'est lié aux arts numériques. Donc, poésie numérique, art numérique. C'est né à peu près en même temps avec les ordinateurs portables. Donc, il y a eu des gens qui ont eu une préscience de cela. Je citerai Gustave Metzger, qui est un artiste qui est mort récemment et qui est l'initiateur de Destruction in Art Symposium à Londres, DIAS, où il y avait tous les artistes un petit peu connus de l'époque, et qui avait imaginé dès 1961, dans un manifeste visionnaire, l'utilisation d'ordinateurs. Je le cite, « L'objectif principal est la création, grâce à l'informatique, d'œuvres d'art dont les mouvements sont programmés et qui intègrent leur propre autorégulation. » Sur cet artiste, j'avais écrit un article, je pense que c'est dans Inter, oui. Et c'est ce qui s'est développé dans les arts numériques et la poésie numérique. Donc, sur l'invitation, tout récemment, j'ai fait une performance donc, sur l'invitation de Fabrice Tumrel, universitaire et animateur du site pionnier Libre Critique. Il y a un autre site très connu, Citeaudis. Et donc, je suis intervenu le 10 avril dernier, c'est tout récent, pour une performance de poésie numérique. Donc, voilà deux extraits. Moïa, Lera, Tiades, Sinodon, Etiomada, Ischio Seda, Vitalia Gracilens, Ginko Vilova, Ben Philippe Cher, Manita, Itaka MS, Pris, Ousweti, Pierre-Louis, Patea, Feton, Audi, Constant de Hubble, République Lumière, Allo Galaxy, Tiff, Prozer, Aiden, Anderson, Is, Ito, Ito, ne m'attends pas ce soir car la nuit sera noire et blanche, tu es du pollen, Slow Water, MS.
donc deux extraits de cette poésie numérique performée à la Maison de Poésie tout récemment, et le 10 avril dernier. Les vidéos sont de Bernard Bousquet du générateur, mais comme je vous l'ai expliqué, prises avec un appareil photo numérique, donc des vidéos courtes. J'utilise Pure Data, c'est une pièce que j'intitule PD Extended A, qui date de 2013 avec ce logiciel. Donc, de l'aléatoire à partir de bibliothèques de mots, de fragments de texte, d'images, parfois en 3D, de sons. Alors, une autre œuvre, PD Extended 2. Alors, comme c'est un autre ordinateur, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Qui utilise aussi le logiciel. Voilà, là on n'a que des images, mais il y a évidemment des sons différents. Alors en fait, je fonctionne par bibliothèque, donc de sons, d'images, c'est des vidéos aussi. Et l'idée, c'est qu'il y ait PD Extended 1, PD Extended 2, PD Extended 3, voilà. C'est le logiciel. Au départ, chaque fois, il y a des logiciels différents et c'est un petit peu un problème. Voilà. Voilà, donc... Donc des fragments de texte, d'images, 3D, sont une autre œuvre. Celle-là que je veux. Donc je vous ai montré un petit extrait, mais uniquement les images, qui date de 2017, toujours en Pure Data. Et il y a 5 captures d'écran qui accompagnent le tirage de tête du numéro 4 de la revue 591 de Jean-François Bory. Voilà. Alors l'extrait projeté est inédit. Une autre œuvre, alors cette fois-ci en réalité virtuelle, dont voici. Donc là, c'est une œuvre avec le casque de réalité virtuelle. Alors évidemment, dans le casque de réalité virtuelle, vous avez l'image en 3D. Mais évidemment, là, c'est en 2D, donc vous avez deux images. Et donc l'idée, c'est que les mots, les images, sont comme des comètes ou comme des planètes ou comme des astéroïdes dans le vide spatial. Donc c'est une œuvre qui est, c'est une nouveauté, c'est une œuvre qui est en cours et que je suis en train de travailler, et c'est une première présentée ici. Alors j'ai mélangé à la fois des sons de l'espace évidemment et en même temps des sons terrestres. Des sons d'oiseaux en général, mais ce ne sont pas les oiseaux européens, ce sont des oiseaux que j'ai enregistrés au Panama par exemple, dans des pays lointains. Donc on reconnaît des sons qui nous semblent familiers, mais qui ne sont pas vraiment ceux auxquels on est habitué. Voilà. Donc là c'est 4 minutes, mais l'idée c'est évidemment de mettre en boucle, de faire quelque chose en 20 minutes peut-être, et mis en boucle. Mais c'est un travail qui est en cours. Donc, voilà. Et donc, le casque de réalité virtuelle, en fait, vous téléchargez sur votre iPhone ou sur votre smartphone et vous l'introduisez dans le casque de réalité virtuelle et vous voyez en 3D. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est actuel, c'est-à-dire 2019. Mais évidemment, si ça pouvait être vraiment sur fond noir et s'il y avait l'obscurité, ça fonctionnerait mieux, comme on le voit sur l'ordinateur.
Le son n'est pas très fort. Évidemment, il n'y a pas de son dans l'espace, donc c'est des sons réinterprétés à partir de sons, de vibrations, puisque le son, c'est une vibration de toute façon. Bon, je vais arrêter là, voilà. Voilà. Je reviens quand même sur la poésie numérique. Mouvement international qui s'est développé en fait avec l'apparition des premiers PC, c'est-à-dire des premiers ordinateurs portables grand public dans les années 80, donc il y a plus de 30 ans. Donc il y a déjà une histoire. S'est développée la poésie numérique en France, mais aussi internationalement, Portugal, Italie, Brésil, aux États-Unis, Argentine. Au Brésil, Augusto de Campos, dont je suis traducteur comme il était dit tout à l'heure, utilise l'ordinateur assez tardivement, puisqu'il y avait des lois qui protégeaient l'industrie nationale inexistante au Brésil. Donc au bout d'un certain temps, quand même, ils ont supprimé les droits de douane. Et donc il a pu avoir accès à l'ordinateur. Et il crée des animations numériques autour de ses poèmes qu'on crée à l'origine. Et on va entendre justement l'une de ces animations avec la voix de Gustavo Campos autour du poème « SOS ». On pourrait éteindre les lumières qui sont derrière. Non. Donc là, vous avez une indication, donc 83-2000, voilà. Et publié sous CD-ROM, mais le problème du CD-ROM Clip Poema, c'est que c'est des vieux logiciels, et donc on ne peut plus les consulter actuellement. J'ai quand même fait une publication de Clip Poema pour la BNF en France, puisqu'il y a un dépôt légal.
Donc évidemment, la voix d'Augusto de Campos, et ces jeux que vous avez compris dans toutes les langues, yo, I, ish, ego, et ça finit par disparaître dans le haut, le trou noir de SOS. Voilà. Alors, il y a aussi parmi... Alors, un autre exemple, Eduardo Cac, qui a un parcours intéressant, puisqu'au départ, il est brésilien, donc de Rio de Janeiro, Carioca, il vit maintenant aux États-Unis, il a même la nationalité américaine, à Chicago. Et je dis Chicago, c'est un choc pour un Brésilien de Rio de Janeiro de vivre à Chicago. Cet hiver, il a fait moins 58 à Chicago, heureusement pendant pas trop longtemps. Et alors donc il y a une période pendant à peu près 20 ans où il a fait de la poésie numérique, il a intitulé Poésie numérique dans une publication en France grâce à... Il était invité par Jean-Pierre Balp et donc il avait une année sabbatique et voilà. Et grâce à Jean-Pierre Balp il a pu vivre un an et être payé pendant cette année sabbatique. Et donc... Alors, ce que vous allez voir, ce sont des démonstrations, des démos, puisque en réalité, c'est un poème interactif avec un programme. C'est à vous, évidemment, d'explorer le poème. Alors, alors il faut savoir aussi qu'il a développé après la biopoésie. Alors, ça, c'est dans la revue Célébrité Café numéro 2, où il y a tout un article sur Edouard, tout un dossier sur Eduardo Cac. C'est-à-dire que, en fait, nous, on fonctionne avec l'alphabet, très bien, mais notre corps fonctionne avec un code, le code génétique, c'est-à-dire quatre lettres. Et donc, il a fait des œuvres à partir de ce code génétique, donc il appelle biopoésie. Et dernièrement, il a fait de la spatial poetry, poésie spatiale, avec Thomas Pesquet, donc dans l'ISS, donc la station orbitale. Et il a créé un poème en apesanteur, télescope intérieur. Alors, en fait, une figure humaine et qui représente aussi moi, c'est-à-dire en forme de M, mais le M, ça peut être deux bras, deux jambes, et traversant un tube qui peut être un télescope, mais qui peut être le I de moi ou le I de je en anglais, en américain. Et donc ça, on peut le voir aussi. Donc ce que je vous montre, c'est ce qu'il appelle poésie numérique. Donc un premier poème qui s'appelle Oko. Alors, vous voyez, il y a deux dates. Alors, Oco en portugais, c'est O-C-O. Et évidemment, ce qui est intéressant, ça ne fonctionne pas du tout en français, vide, le mot vide, les E-B-I-D-E, mais ça fonctionne en brésilien portugais à cause des deux O de Oco. Alors, là, c'est une démo d'Eduardo Cac, mais évidemment, il y a un programme et c'est à vous d'explorer le poème en 3D. Il joue aussi un petit peu parce qu'il y a Sio en portugais, donc il joue un peu, bon, qui est un terme qui a un rapport qui est sexuel, mais pour les animaux. Et donc il joue aussi un peu, vous vous en rendez compte, sur cet aspect-là. Alors, un autre accident de 94.
que là, il y a du son, en fait, vous allez comprendre tout de suite. Désintégration du langage. Alors, troisième poème, Letter de 96, Lettre, et même chose, c'est une démo. Alors, c'est un vortex et une spirale. Letter, voilà. Alors là aussi, c'est à vous, normalement, de naviguer à travers le poème en 3D. Bon. Donc il y a un vortex et une spirale, donc deux univers qui se rencontrent. D'une manière plus simple, ou autobiographique, ça peut être pour lui, bon, c'est une des interprétations, mais il peut y en avoir d'autres, ça peut être le trou noir par exemple, tout simplement, c'est la mort de sa mère et la naissance de sa fille, donc la vie qui continue. Et c'est une réflexion que je ferai si j'ai le temps plus tard, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans la poésie numérique, c'est que cela va dans différentes directions, c'est-à-dire il y a autant de... Alors qu'avec la typographie du 19e siècle, il n'y a qu'une seule possibilité, celle du texte typographié, même si les poètes ont toujours essayé d'en sortir. Je pense évidemment à « Correspondance de Baudelaire » ou « Le sonnet des voyelles » de Rimbaud. Donc, historiquement, il y a des précédents, c'est-à-dire, moi je parle des années 80, c'est-à-dire, les années 80, c'est l'ordinateur portable, mais évidemment, il y a des précédents, sauf qu'il fallait passer par des ordinateurs qui occupaient toute une pièce et passer par des intermédiaires, des techniciens. Donc, il y a Nanni Balestrini en 61 avec « Tape Mark 1 », Dick Higgins avec Hank and Mary et Alison Knowles avec House of Dust en 68. Alors ça c'est intéressant, donc j'ai apporté ça quelque part. Il est là. Ah oui. Et donc, il y a une publication rare, mais finalement, ça a été mis sur Internet. Donc, on peut la trouver sur Internet, de 70, de Dick Higgins. Donc, celui qui est à l'origine de la notion d'intermédiaire. Et Computer for the Arts. Et c'est une... alors, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, les poèmes de l'époque. Alors, le poème qui a eu le plus de résonance, disons, c'est celui d'Alison Knowles, House of Dust. Donc, il fait toute une variation, House of Leaves, donc maison de feuilles, maison de poussière, etc. Et donc, il y a une, au CAL, l'école mythique en Californie, on a construit une maison en partir du poème de Alison Knowles. Il y a eu des performances bon, avec les étudiants, les professeurs. Vous savez que le CAL, c'est une école très, très fameuse, donc où il y avait Alain Capro, plein de gens très connus. Donc, c'est deux poèmes génératifs en langage Fortran 4 avec l'aide de James Tinney. Et donc, ça donnait ses lieux à cette publication Computers for the Arts. Et parmi les précédents, évidemment, on pourrait citer aussi Emmett Williams, le Fluxus, Brian Gazin, I Am That I Am. Alors, je cite exprès les poètes et non pas les ingénieurs. Il y a eu des ingénieurs aussi qui ont produit eux-mêmes des prototypes à l'époque. Les ordinateurs, encore une fois, n'étaient pas accessibles comme aujourd'hui.
Alors, en France, il y a une première génération, donc comme ça a été rappelé moi-même en 83, et c'est très bizarre parce que, en fait, j'ai été confronté aux premiers ordinateurs et j'ai jamais imaginé qu'il allait y avoir un mouvement, c'est-à-dire qu'il allait y avoir d'autres qui allaient avoir les mêmes réactions par rapport à ces machines. Et donc, je me suis dit, c'est merveilleux, donc on publie sur écran au lieu de publier sur papier, et comme c'est une machine, ça ne s'arrête jamais. Mais comme vous l'avez vu, en fait, chacun est parti dans des directions différentes. Et donc, Tibor Pape en 85, Jean-Pierre Balbe, Philippe Castelain. Alors, Tibor Pape, c'est important parce qu'il l'a montré pour la première fois en Revue Parlée, j'étais là, donc avec Alain Amstrad. Et lui, il va développer plutôt de la poésie visuelle en animation. Donc c'est encore autre chose. Donc je vous donne un exemple de ce café Tibor Pape. Et vous allez voir, c'est encore complètement différent. Ça s'appelle les très riches heures. Et c'est très typographique, là. Les très riches heures de l'ordinateur. Alors ça faisait partie de l'expo que j'avais organisée sur la poésie numérique en France, la Galerie Satellite. Et donc j'avais demandé finalement aux poètes de fournir des clés USB avec des œuvres sur clés USB, mais qui évidemment sont des démos puisque il n'y a pas le programme. Donc il y a tout un courant qui est très typographique dans la poésie numérique. Typographique au sens le plus classique du terme. Mais qui permet évidemment des traitements graphiques intéressants. Alors, Tibor Pape est mort, donc c'est sa veuve qui m'a confié ses œuvres. Donc, il a travaillé aussi avec Claude Maillard, qui est une femme et psychanalyste. Parce que Tibor Pape est hongrois, en fait. Et au départ, lui vient de la typographie, puisque il était un graphiste, il a fait des revues. Bon. La première chose qu'il a faite, c'est en 85. Donc c'est, à mon avis, après 85. Mais c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que la typographie héritée du 19e siècle est une typographie fixe. Là, on peut faire bouger les lettres, et donc il y a toutes ces possibilités d'animation.
Pour la date, effectivement, et ça vous pouvez trouver sur Internet, les 13 régisseurs d'ordinateurs, je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est forcément après 85, donc peut-être 90. Alors, là, je voudrais vous montrer une œuvre de Jean-Pierre Balpe qui a développé la génération de textes à l'ordinateur. J'avais assisté à quelque chose à Beaubourg, Bibliothèque du Futur, je crois. Et donc, il avait pris, par exemple, Jules Verne, et il avait rentré tout le vocabulaire de Jules Verne et prévu des situations qui ne pouvaient pas exister à l'époque de Jules Verne. Et quand vous lisiez une page de Jules Verne par génération de texte, on avait vraiment l'impression que c'était une vraie page de Jules Verne. Et si on était un spécialiste de Jules Verne, on pouvait se poser des questions de quel roman est-ce tiré. Donc ça fonctionne. Et alors Jean-Pierre Balfe est plus classique, c'est-à-dire c'est un poète qui est publié dans Action Poétique. Et alors bon. Il a participé par exemple en 85 aux Immatériaux à Beaubourg avec l'expo organisée par Jean-François Lyotard, et il a fait des haïkus, enfin des ringas en fait, c'est-à-dire des sortes de types de haïkus, ce qui est plus facile on peut assez facilement, c'est les premières choses qui ont été faites à l'ordinateur, c'était avec des haïkus, parce que c'est des structures de phrases très simples, il y a assez peu de vocabulaire à rentrer dans l'ordinateur, et voilà. Alors là, c'est en fait un travail de collaboration avec, il a beaucoup fait ça, Jean-Pierre Balpe, avec Maurice Benayoun, qui est lui du côté de l'art numérique. Et alors je vous le montre parce que en fait, ça a été montré au départ à Bruxelles, le 27 septembre 2000, à l'espace Méridien à Bruxelles. Moi j'ai une question, mais qui n'a pas grand chose à voir. Oui. Comment vous avez fait pour archiver ce genre de choses? Ça se passait sur un programme en fait à l'époque en 85 ou en 90. Par exemple, les 13 régisseurs de l'ordinateur, c'était sur un programme exprès pour vous. Enfin, je m'excuse pour la question, mais aussi. Non. C'était un vrai problème que je comptais aborder, c'est-à-dire l'obsolescence des technologies, ouais, l'impossibilité de conserver. Si les artistes sont, les poètes artistes sont vivants, donc ils peuvent avoir une des solutions, c'est d'avoir l'appareil qui fonctionne encore, la machine qui fonctionne encore. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec l'Atari. Évidemment, ça ne fonctionnait plus. Et j'ai regardé sur Internet et donc j'ai vu qu'il y avait un Atari à vendre en Angleterre. Je l'ai reçu et il avait sa housse en plastique, ça veut dire qu'il était neuf. Et depuis, ça fonctionne. Combien de temps, je n'en sais rien, parce que c'est irréparable. Il y a des pièces qu'on ne peut pas changer, c'est impossible. On peut pas, c'est pas comme une voiture, il n'y a pas de pièces de rechange, donc c'est impossible. Alors, tant pis, je comptais aborder ça après, mais tant pis. Moi, mon idée, c'est qu'il y a ce service à la BNF, donc on peut recréer par émulation, donc il faut un ingénieur, évidemment. Et mon idée, ce serait de faire des publications à 1000 exemplaires de tablettes numériques, évidemment ce serait par émulation, d'un certain nombre d'œuvres, parce que c'est une question de patrimoine. C'est-à-dire que pour moi, ça fait autant partie du patrimoine qu'une œuvre publiée dans cette forme de livre par un éditeur. Techniquement, ça doit être possible, mais il faut trouver les financements, les partenaires, etc. etc. Mais c'est mon idée, peut-être que je vais y arriver. Une tablette numérique qui serait de la taille d'un livre, qu'on puisse mettre dans une bibliothèque, avec une sortie évidemment pour écran plat ou projection vidéo. Voilà, c'est ça mon idée. Alors ça, c'est la bilogue. Alors, il faut bien comprendre que la génération de texte est de Jean-Pierre Balpe, mais c'est une œuvre en collaboration avec Maurice Benayoun. Je
Alors, il y a une espèce de joystick qui permet de naviguer. Donc le texte qui apparaît, c'est la génération de texte. Ça, c'est Jean-Pierre Val. Alors parfois il y a des petits bugs dans le texte, en génération de texte, mais c'est possible, c'est-à-dire on peut créer du texte, c'est pas un problème. Alors Philippe Castelin, mais là je ne vous montrerai rien, donc qui a repris la revue Docs de Julien Blaine, travaille notamment avec le web sur l'information à partir de mots-clés, et il utilise aussi le QR code. Donc des démarches encore une fois différentes. Nous avons travaillé sur différentes machines, dont ce fameux Atari 520ST, avec une unique disquette programme, toujours en fonctionnement grâce à l'Atari d'état neuf, comme je viens de l'expliquer. Et en juillet dernier, en 2018, l'artiste Sarah Cassanti, qui est en fait aussi graphiste avec qui je collabore, nous a demandé d'intervenir lors d'une exposition au générateur à Gentilly. Le générateur, c'est un lieu réservé à la performance et dans ce qu'elle appelait, elle, un Atari poème. Donc oui, je suis intervenu donc elle a fait une performance intitulée Manteau Relief, dont voici un extrait. Donc là, on a peut-être mieux comme ça. On voit mieux comme ça. Donc ça, c'est l'Atari, ça s'en va tester. Ah, merde. C'est la connexion. Ça marche pas ? Ça va. Voilà, c'est bon. Donc là, on voit le fonctionnement de l'Atari 520ST. Voilà. C'est l'Atari ? L'Atari, voilà, c'est ça. C'est moi qui suis... En fait, le générateur est un ancien cinéma, donc c'est un espace rectangulaire et j'avais le recul pour que la projection de l'Atari avec le vidéoprojecteur aille du sol jusqu'à peu près 2 mètres et donc elle a eu l'idée de faire la performance devant, voilà, mais derrière, alors vous voyez, c'est assez lent parce que c'est l'Atari.
mais il y a des variations constantes, c'est uniquement la typographie là, 93, et il y a des variations constantes. Ça occupe parfois juste une ligne, parfois tout l'espace, et c'est des lettres vert fluo, comme dans Matrix, mais Matrix c'est 99, voilà. Et à cause du vidéoprojecteur connecté à l'Atari, ça c'est un peu une surprise, mais bon. Là, c'est un programme avant, ça c'est pas du pure data, ça n'existait pas à l'époque. Donc, voilà, bon, on va arrêter. Voilà. Voilà pour. Alors, donc là, je vais faire rapide, puisque, bon. Si, je voudrais vous montrer quand même juste avant de. Donc, les premiers ordinateurs portables, d'abord la typographie, puis ensuite ça s'est complexifié. On pourrait se poser la question de comment le mouvement de poésie numérique s'est-il révélé médiatiquement en deux temps. D'abord, à partir de 1989, la revue À lire. Donc, c'est cette revue-là que j'ai apportée et qui est en fait une revue littéraire, mais sur disquette informatique. Voilà. Alors, donc, il y a quand même du papier, mais la revue, c'est ça. Et ça a été la première revue internationale. Donc, je suis dans le numéro 8 que je vous ai apporté, ainsi qu'Edouard de Cac. Il y a du texte quand même, évidemment, mais c'est comme vous voyez, à partir de disquettes informatiques. Et donc ça jouait un peu le même rôle que la revue OU d'Henri Chopin. Donc la revue Disque, avec le disque, la revue OU d'Henri Chopin pour la poésie sonore, la revue À lire de Philippe Boutz a joué un peu le même rôle à partir de 89. Et ce qui a joué aussi, donc c'était la première revue internationale, États-Unis, Portugal, et puis il y a eu un numéro commun de Philippe Castelin, Docs, en 98. Et donc ça donnait lieu en 98 à une revue parlée au Centre Pompidou que j'ai organisée puisque j'étais sur Paris, voilà. À l'époque, Philippe Boutz était à Villeneuve-d'Ascq et c'était un peu compliqué, c'est-à-dire aujourd'hui tout nous paraît plus simple, mais à l'époque il y avait tout le staff technique du Centre Pompidou pour essayer de faire, parce qu'il y avait Mac et PC, enfin c'était compliqué. Alors, une nouvelle génération à partir des années 2000, et c'est en 2002 que je vais faire un manifeste dans la presse pour imposer le terme de poésie numérique. Donc, en 2000, toute une nouvelle génération. Alors, cette fois-ci, il y a des logiciels, donc Philippe Boinard notamment, mais aussi James Chaton et d'autres. Donc, de Philippe Boinard, donc, je vous montre juste un extrait. Alors, voilà, et... Alors lui, vous voyez, c'est des... Alors c'est très court parce que j'avais demandé à Bernard Bousquet de faire des photos avec son appareil photo numérique, et avec un appareil photo numérique, on peut faire des vidéos, mais très courtes. Alors là, c'est complètement différent, c'est des paysages de lettres, et en fait, il travaille autour de Fukushima, et donc on va chercher, à partir du mot-clé Fukushima, algorithme, donc on va chercher toutes les occurrences sur Twitter, sur Fukushima. Et donc ce sont des paysages de lettres. Alors c'est abstrait, et en même temps, c'est concret, puisqu'il s'agit des essais atomiques et de Fukushima. Alors bon, je trouve qu'il est un peu pessimiste, c'est très bizarre cette nouvelle génération qui pense qu'il y aura l'apocalypse demain, enfin bon, pourquoi pas. Mais voilà ce qu'il fait, et donc il avait fait dans cette expo sur poésie numérique à Guérin. C'était justement, parce qu'on l'a montré aussi en Belgique, à Bruxelles. Ah oui. Et en fait j'ai fait la banque son, m'occuper du son de cette installation. Et mon collaborateur Jacques Banska avait un Twitter autour de tout ce qui se passait dans Fukushima, voilà. et qui est très complet, et dans lequel Philippe a puisé les mots, voilà, c'est ça. Paysage, et à un moment donné, il y a une espèce de cible qui cible le mot, à un moment donné, à ce moment-là, ça va chercher un son
qui nourrit une autre bande son assez ambiante, assez électronique, qu'on a fait ensemble. Et c'est Philippe qui est, c'est le projet de Philippe, c'est Philippe qui a fait la matrice. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait aussi à donc, paysage de la catastrophe. Paysage de la catastrophe, voilà. After Fukushima. Sauf que on ne voit pas de paysage. C'est un paysage, mais on ne voit pas de paysage. C'est-à-dire c'est un paysage de lettres, des millions de lettres, voilà, bon, qui correspondent aux millions de Twitter, sous le million de. Voilà. Que la machine va chercher à ce moment-là. Oui, voilà, sur Internet. Oui, oui, voilà. Donc c'est encore une autre démarche. Donc j'ai encore combien de temps, 5 minutes voilà, bon. Voilà, donc ça a donné l'objet d'une discussion qui a été dirigée par Fabrice Thumerel et Philippe Voillard explique dans la discussion qu'il a vraiment bifurqué en 2008 qu'il est davantage dans l'art numérique. Donc là on est effectivement aux frontières, mais est-ce qu'il y a une frontière vraiment? C'est des frontières poreuses entre l'art numérique et la poésie numérique. Donc l'art numérique lié au langage. Alors, bizarrement, ça renvoie au texte théorique d'Augusto de Campos, qui écrit dans la préface de son recueil « Nao Poemas », « Non-poème » de 2008. « Parfois, je pense que je suis moins poète que musicien et moins musicien qu'artiste graphique. » Alors, là aussi, rappelons qu'Arnaud Daniel, l'idée de la typographie, du poème typographique du XIXe siècle, que nous connaissons, Baudelaire, etc., Arnaud Daniel, au XIIe siècle, traduit par Augusto de Campos, il y avait de la musique, il y avait des partitions musicales. Très peu de partitions nous sont restées, et Augusto de Campos en a retrouvé deux ou trois à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Donc, pour moi, il y a appauvrissement de la poésie typographique imprimée en lecture silencieuse. Et c'est tout ce que permet l'ordinateur, justement, c'est de sortir de ce 19e siècle, on n'en est pas sorti. Alors, évidemment, d'autres poètes ont utilisé l'ordinateur portable autour des années 2000. Bon, citons Anne-Gem Chaton ou Joachim Montessui. Mais bon, j'ai des documents, mais bon, je pense qu'on n'a pas le temps. Surtout qu'ils l'ont utilisé d'une manière à minima, donc avec des effets de mise en boucle, bon. Mise en boucle de texte, de son, bon. Et Joachim Montessui, qui s'inscrit dans la lignée d'Henri Chopin, travaille sur le souffle, le cri, aux frontières de la musique, bon. Alors, j'ai aussi un extrait, mais nous n'avons pas le temps. Au Centre Pompidou, il y a une expo sur Isidore Isou. Il est là. Non, Eric Farm. Eric. D'accord. D'accord. Alors, c'est intéressant, Isidore Isou. Je me suis intéressé en 98. J'ai fait une interview avec Isidore Isou parce que je ne comprenais pas qu'on ne s'y intéresse pas. Et effectivement, ça prolonge un peu. C'est-à-dire, Isidore Isou a travaillé à partir de la lettre, dans la lettrice, mais d'un élargissement de la lettre. C'est-à-dire, il fallait sortir de la lettre, de la typographie. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, l'association avec laquelle ils ont fait beaucoup d'expos s'appelait La lettre et le signe. Alors, ça renvoie évidemment à la sémiotique qui s'est beaucoup développée dans les années 60. Et donc, ils ont tenté d'élargir la palette des signes alphabétiques ou non alphabétiques, notamment les journaux des dieux pour Isidore Isou et Saint-Ghetto des Prés pour Gabriel Pomeroy. Alors, l'expo au Centre Pompidou se termine malheureusement le 20 mai, c'est-à-dire demain pratiquement. Et donc, il y a eu quelque chose qui a été rêvé. Et que peut-être, les possibilités techniques, techniciennes de l'ordinateur permettent de développer. Alors, justement, à Walter Benjamin, cité par Augusto de Campos dans la préface de Outreau, le dernier recueil, donc Célébrité Café 3, que j'ai là quelque part, non, peut-être pas, et il a retrouvé un texte de Walter Benjamin de 1928, où il dit que l'ordinateur évidemment n'existait pas à l'époque, qu'avant qu'on ait ouvert un livre, surgirait sous nos yeux un tourbillon de lettres mouvantes, colorées en désordre, des nuages de lettres sauterelles. Alors, c'était évidemment une invention, une prescience. Donc, en fait, c'est là où je veux en venir, on n'a pas mesuré toutes les conséquences de l'utilisation exclusive de la typographie au XIXe siècle, même si on a les analyses de McLuhan.
Surtout qu'à l'époque, il n'a pu réfléchir que sur la galaxie Marconi, c'est-à-dire en gros le magnétophone et la radio, alors qu'on est dans la galaxie numérique. Et on se rend compte de plus en plus, avec ces tentatives, à quel point l'usage de la typographie, de l'imprimerie, a été quelque part un carcan, une grille au sens propre du terme, premier du terme, une grille de lecture. Mais une grille, ça veut dire qu'on est prisonnier de la grille. Et une pensée figée, le mot d'ordre, fourrier de toutes les idéologies dévastatrices du XXe siècle, et aussi malheureusement du XXIe siècle, parce qu'on n'en est pas sorti du livre, de la fascination du livre ou de la... Voilà. Donc, avec l'ordinateur, élargissement du langage, qui ne repose pour moi ni sur le mot, ni sur la lettre, mais sur des... Alors ça, c'est un peu Jean-Pierre Ball, des fragments de texte en dessous duquel il n'y a plus de sens... Donc un retour finalement aux origines aussi de l'écriture, c'est-à-dire finalement l'image à travers, quand on regarde l'écriture égyptienne par exemple, les idéogrammes, certains idéogrammes, vers ce qui pourrait être un sémantisme généralisé. Donc il n'y a pas opposition entre le livre et le numérique. Certains ont annoncé la fin du livre avec l'arrivée du numérique. Non, en fait, les technologies se superposent, comme les strates géologiques, et ne s'éliminent pas. Et ce qui explique que dans notre livre, donc au Presurel, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Finalement, c'est des captures d'écran. Donc, parmi les milliers de possibilités, je fais un choix esthétique d'une image, et donc ça justifie la publication sur livre, dans un livre. Et de toute façon, un livre aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec un livre du 19e, puisqu'on se sert de logiciels, et donc en fait, on fournit à l'imprimeur un fichier numérique. Donc, c'est quelque part, maintenant, le livre est devenu un objet numérique, mais qui peut se travailler. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler avec les logiciels pour faire un véritable objet intéressant. Bon. Alors, le problème qui se pose, c'est le problème de l'obsolescence des technologies. On l'a un peu abordé tout à l'heure. Et pour moi, il y a des œuvres qui sont déjà des œuvres patrimoniales, comme les clips poèmes de Augusto de Campos, qui mériteraient d'être pérennisées. Donc, j'ai parlé du service à la BNF. Et cette idée que peut-être on pourra, grâce à l'émulation, donc faire à 1000 exemplaires des tablettes numériques. Voilà, ça c'est un peu mon idée actuellement. Pour au moins préserver ses œuvres pour le futur. Alors, donc ça peut être aussi objet d'exposition, on en a parlé aussi un peu, donc j'avais fait une première exposition Terminal Zone, c'était ça, au CAC des Rouville-Saint-Clair en 82, mais c'était général, c'est-à-dire il y avait aussi des holopoèmes, bon, et poésie sonore aussi d'ailleurs. Et donc là, cette fois-ci, j'ai galerie satellite, donc j'ai essayé de faire une exposition uniquement de poésie numérique. Donc c'est pour ça que j'ai toutes ces clés USB. J'ai demandé systématiquement au poète vivant, pour Tibor Pape, ça a été sa veuve, de me fournir une œuvre sur clé USB pour pouvoir les projeter. Voilà. Et en dehors de Philippe Boinard, qui a fait une œuvre spécifique pour l'expo. Mais aussi, donc Augusto de Campos a fait deux expos, une à Bruxelles, dans le cadre de Europalia, donc ça a été l'invité d'honneur d'Europalia, le Brésil pays invité, et c'était à la galerie de l'ambassade de Avenue Louise, pour ceux qui l'ont vu peut-être, je ne sais pas. Donc c'est possible aussi de faire une expo avec ce genre d'œuvre, et qui peut être soit graphique, c'est-à-dire donc une œuvre qu'on peut exposer ou mettre au mur, soit en animation numérique. Voilà. Donc c'est. Alors, c'est intéressant à ce titre, cette notion de verbi-voco-visuel qu'Augusto de Campos emprunte au Joyce de Finnegan's Wake. Donc Joyce qui est allé aux limites, avec cette œuvre, aux limites des possibilités du langage typographique, et cette notion de verbi-voco-visuel qui est dans Finnegan's Wake, l'ordinateur peut le mettre en pratique, puisqu'il traite à la fois le son et l'image. C'est illustré, alors je ne sais pas si je vais le faire ou si on a le temps. Non.
Voilà, j'ai un extrait de Cité Cidade d'Augusto de Campos, donc la performance qu'il a fait à 85 ans, peut-être 6 ans, oui, en 2017, 24 septembre, au moment de la remise du Grand Prix de poésie Janus Panonius, qui est considéré comme le Nobel de poésie. Et à l'occasion de cette remise de prix, bon, il y a une vidéo un peu formelle sur Vimeo, il suffit de faire prix Janus Panonius 2017, Augusto de Campos. Et donc, à l'occasion de ce Grand Prix, il y a une cérémonie et ce poème a été interprété avec Katalin Lady, qui est une poète sonore hongroise, et son fils, Cid Campos, qui est musicien. Oui, alors, c'est le fameux poème Cité, Cité, Cidade de Augusto de Campos. Alors, je vous montre ce poème et vous allez comprendre tout de suite. Donc, il est très long. Et en fait, cité, cidade, c'est à l'origine de toute une série de mots qui fonctionnent en anglais, en portugais et en français. Par exemple, atrocité, atrocidade, atrocity, etc. Donc il joue là-dessus, il fait un long poème où il joue sur toutes les variantes et ça se termine évidemment par cidade, city, cité. Voilà. Alors ça c'est la remise du prix du Grand Prix Janus Panonius et c'est important parce que c'est la première fois qu'un Grand Prix international qui considérait que le Nobel de poésie est donné à un poète expérimental. Donc on ne peut pas dire que, on peut plus dire maintenant que cette poésie est marginale. Voilà. Ça c'est Katalin Lady. C'est une vidéo brute, donc. Et Cid Campos, qui est son fils, en fait, qui est musicien. Thank you.
Spectacle qui s'appelle Poésie et risque, mais évidemment ville de Verhaeren avec les moyens d'aujourd'hui. Merci.